Là, on va se rendre chez les gothiques parce que c'est nos potes et on va leur demander l'abri parce que tu vois, là, on est déprimés. Parce que Malcolm est décédé, hein, bizarrement, comme ça. Salut Sonia! Oh, je suis déprimée. Hein. T'es enceinte? On pourra pas la tuer. Et on va s'occuper un peu des gothiques ce soir, maintenant. Tu vas te coltiner le gosse? Il va se faire enlever, hein. Bien sûr, oh, merci Sonia, tu es adorable. Évidemment, on récupère tout l'argent plus. Leur sous-sous, hein, on est en monte à 671 000. C'est meflouze. En plus, on doit en tuer 4. Hein. Bon, Vladi, ça va être facile. On va le tuer à l'usure. On va y aller tout de suite maintenant, d'ailleurs. Allez, hop, hop, voilà. Lui, on sait que ça marche bien, les trucs comme ça. Oh là là, elle vient juste de déclarer sa grossesse. Ouais, va découvrir ta nouvelle maison, ma petite. Hé, tu fais pas du café? C'est nul, le café. Salut, Cassandra. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, ma petite Cass? Qu'est-ce que tu es? Tu es jeune adulte, donc tu peux mourir. Et lui, il est dégueulasse. Il a une de gueule et une... Ah, c'est encore un ado. Les ados, on peut les tuer comment? Regardez, il arrive déjà plus à tenir debout, là. Il en peut plus, Vladi. Vladi, tu m'as trop usé, ma chérie. Là, je tiens plus, moi. Je n'ai plus ton âge, hein. Je m'approche plus près de la tombe que de autre chose, hein. C'est... dis donc, et... Il est increvable, ce Vladimir, là. Tu vas clamser ou quoi, là? Il y en a qui ont déjà clamsé à moins que ça, hein. Ils sont coriaces ce soir, dis-moi. Soigner et rat de bibliothèque. Ah, ça pue, hein. Génie morose et créative. Ça va être compliqué de les tuer, hein. Bah, non, il a pas assuré, hein. Oh, la vache! Mais oui, le vieux! Ah, je me souviens! Le vieux Feng, c'est pareil. Dès qu'on faisait crac-crac et qu'il dormait... ça a réinitialisé le fait qu'il soit fatigué. Donc en fait, faut pas faire ça dans le lit. C'était ça l'histoire. Ah, quel enfer. Bah écoutez, on va faire ça plusieurs fois dans la douche, hein. Heureusement qu'on a ça maintenant, dis donc. Sinon Vladimir, il va jamais clamser, hein. Parce que là, il a retrouvé toute sa vigueur, hein. Il a dormi 2 minutes, ça y est, hein. Il est tout neuf, hein. Donc on recommence. Ah et donc, hey, on n'arrête pas. Ah oh, non, c'est tout buggé. Oui, bah vous mourrez de faim au pire, hein. Sonia, on sait qu'elle mourra pas de faim, elle est enceinte. Grand bien me fasse. Mais lui, du moment qu'il claque, je m'en fous de quoi il meurt. Cassandra! Cassandra? Je suppute que la mort noyée, ça peut le faire parce que elle est maître nageuse. Vous voyez, je trouve ça ironique, moi. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de place sur ce terrain pour mettre une piscine, hein, vache. Une piscine de 2 sur 2, c'est aussi très bien, hein. Tu feras tes longueurs, hein. Clac! Il y a une petite barrière, hein, comme ça. Toute petite barrière. Un rien qui fera du bien. Tu vas aller flotter, hein, et tu vas faire des longueurs. Voilà, mais pendant ce temps-là, bah, elle se repose. Ah, mais il est pas fatigué, hein. Il est pas fatigué. Sonia, pour l'instant, de toute façon, ça sert à rien. Elle est increvable. Cassandra, on va essayer de la noyer. Et Alexandre, oui, bah. Le truc, c'est que si il voudra pas trop, une fois qu'il a couru, qu'il est fatigué, il voudra pas recourir. Hein. Ah bah quand même, t'es fatigué, mon vieux. Petit crac-crac avec ta femme. Faut que je la surveille. Mais... Pouf. C'est bon, j'ai plus besoin de la surveiller. Mort rapide, lit de mini-maison à chaque fois pour moi. À moi, jamais. On va essayer pour lui, alors. Regardez-moi ça, c'est une salle de bain. Pas besoin d'avoir une salle de bain comme ça, non? Hop, on va le transformer en chambre, ici. Y a pas besoin de plus, hein. Ouvrir le lit. Tu sais quoi, mon garçon? Tu vas rester coincé dans cette chambre à vie. Tout le monde, allez hop! Lui, il est enfermé à vie là-dedans. Donc après, je le laisse faire sa vie. Je m'en fous. Il peut faire une sieste, fermer le lit. Fais ta vie. Elle fait sa vie. Ils font la leur. Oh là là, Sonia, la faim! Épuisement! C'est bon! Vladimir va y passer! Ah, ah, ça fait plaisir. Allez, vas-y, va reprendre ton toast, toi. Allez! C'était le coup de bite de trop. Oh, merci Vladimir, tu fais plaisir. Moi, j'aime bien quand je vois des petits vieux maintenant dans les Sims. On peut les tuer facilement. Allez, c'est le premier, il y en a encore 3. Bon, elle, logiquement, il devrait pas y avoir de soucis. Elle va finir noyée, lui, par contre. Bon, bah, il faut qu'il fasse joujou avec le lit, hein. Mais non, de qui tu parles? Bien sûr, ton père n'est pas mort, voyons. Elle va pleurer dans le lit, ouvrir le lit. Bah! T'as une drôle de façon de faire ta sieste, mon petit.
de pleurer dans le canapé. Non, c'est pas bugué, arrêtez de dire n'importe quoi. Je vous vois dans le chat, vous êtes pas sympa. Y a pas la faucheuse qui est encore là pour que tu ailles lui dire coucou? Ah si, elle est là, rien, elle est sympa. Présentation dragueuse, vas-y, ça va être ta pote. Cette fois-ci, elle est très... Elle a pas de pied? La faucheuse a pas de pied. Comment elle a fait pour porter des chaussons lapin? Nous, on sait qu'elle porte des chaussons lapin quand elle veut la faucheuse. Oh, Sonia! Oh, Sonia, elle boit du café! Bah, tu m'étonnes, après avoir baisé 10 fois dans la journée, faut bien retenir réveillée, quoi. Tu fais quoi comme carrière, faucheuse? Je déteste toute cette paperasse, cela m'ennuie à mourir. LOL! Les Sims! Va pleurer ton mari. Et on va le mettre dans la collection personnelle de Maze. Coussi coussa, quoi, elle en a pas tant que ça, en vrai. Oh, elle a quand même à bouffer sur elle, hein. 9, 10 tombes. Ouah, ça va, tranquille. J'aimerais bien que ça marche, hein. Plus t'es triste. Je sais pas si ça a un rapport, mais... Allez, vas-y. Ah non. Fermez le lit. Ouais. Ben moi, ça marche pas trop, hein. Moi, ils vont toujours très bien, mes lits. Au moins, on peut admirer cette animation qui est dingue. Ah. Prédiction? Va-t-il mourir? Oh là 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 là. Oui! Oui! Ah, et non. Bon, après, il se démerde. Hein. J'ai pas que ça à faire. Elle est contente. Oui, mais t'inquiète. Tu peux carrément nager tranquillement, là, vas-y. Ouais, oui, oh, papa est parti, c'est pas grave, il était vieux. Hein. Il est mort de la meilleure manière qu'il soit, t'inquiète pas. Tant que le lit fonctionne bien pour pleurer dedans, qui sommes-nous? Bon, je pense que c'est Cassandra qui va y passer. Hein. Parce que là, elle est fatiguée. Elle s'évanouit dans 20 minutes. Nous allons donc assister à une mort... Une mort de noyade, encore une fois. Une piscine dans le jardin et une mort dans le purin. Oh oui! La 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 la! J'aime quand ça s'enchaîne comme ça. Mort suspecte chez les gothiques. Non, bah Vladi, il était vieux, donc dans un excès de sesque. Il voulait un dernier enfant. Cet enfant aurait eu sa peau. Et oui, et puis là, bon bah... Dans l'exercice de ses fonctions, elle a voulu s'entraîner, parce qu'elle est maître nageuse. Et malheureusement, elle a bu la tasse de trop. Et lui, ben, c'est parce qu'il est moche, donc il faut qu'il meure, quoi. Hop! Oh, bon, au pire, lui, il mourra de faim. Hein. S'il meurt pas à cause du lit, il mourra de faim. C'est pas mal non plus. Tu dois aller au lycée? Ah bah oui, tu dois sécher l'école, mon petit. Hein. C'est... Maze, elle est en pleine forme. Écoute, tu vas aller courir un petit peu, tu vas faire un peu de sport, histoire de te maintenir. Quel joli quartier, hein. Ça n'a rien à voir avec Oasis Spring, c'est un peu plus pluvieux ici, c'est plus humide. Toi, tu devrais pas rester en pleine rue comme ça, parce qu'une voiture passe et tu trépasses, hein. Ferme le lit, toi. Mais non, t'es triste de quoi? T'es un ado, t'es tout le temps triste. Allez, on va s'amuser un petit peu. On va pleurer, faire fermer le lit. Ouvrir le lit, pleurer, fermer le lit. Oh, le bidou! T'accouches quand? Troisième stress dans 20 heures. Ah, ça doit se taper un mouflet quand même. Ça peut qu'il n'y en ait pas qu'un seul. Oh merde, j'ai laissé le PQ dans la chambre. Le PQ qui est à moitié du mur, quoi. T'es là, t'es assis, tu fais... Moi, ça marche très bien, hein, comme lit. Hein. Vous voyez que... Ou alors, si je la tuais dans l'œuf avec son chien avec... Il est pas beau quand même, hein. C'est un truc de fou. Hein. Est-ce que c'est vraiment le fils de Sonia? Parce que ça se posait, hein, comme question. Je vais l'empêcher de dormir, mais bon. Je crois qu'il a quand même envie de dormir. Vas-y, ouvre le lit. Lui, il commence à être dans un sale état, hein. D'ailleurs, elle pourrait peut-être faire un petit nigiri. Ça a pas marché jusque-là. On n'a pas réussi à tuer qui que ce soit avec le nigiri, mais... Pourquoi j'ai pas de bol, moi? Il y a qu'une seule fois qu'il a pas très bien... qu'il a dysfonctionné et... Il est même pas mouru. C'est trop nul. C'est la tristesse. Pas grave, pisse-toi dessus, ça te fera une barre verte. Nigiri de fougou, s'il est bien cuisiné, faut le laisser pourrir, la faire manger tout vert. Maze. Nigiri de fougou
en état excellent, comme dirait l'autre. Hey, Barangay. Tiens, oui, on va te donner. On va lui donner à manger. Ah. Ah. Eh ben non. Le sort en est jeté, hein. C'est la mort ou l'escalier. Ou l'escalier. Ou le lit. Mais je sais pas combien de fois je dois le faire ouvrir et fermer pour que j'ai enfin quelque chose qui déconne. Il y a plus de chances qu'il se fasse bouffer par une poule alors là où il est que par le lit escamotable, quoi. Mais d'où tu bouffes le truc en fait? C'est pas l'heure de manger? Il est encore en très bon état, espèce de connasse. La meuf, elle se sert tranquille, t'es. Regardez-moi comme c'est beau! Exactement la même teinte de rouge partout. C'est magnifique. C'est beau! Faites des screens, hein. C'est beau. Rouge carmin. Rouge carmin, c'est son nom. Ah, voilà. C'est fini. Et une barre dans le verre. Allez, tu me refermes ce lit. Parce qu'on n'a que ça à faire de nos vies. Ouvrir et fermer notre lit. Un jour peut-être ce lit nous coincera sous lui et on crèvera, mais ça, on n'y est pas. Regarde le petit lapin. Lapin, 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 petit lapin des bois, lapin, câlin, il viendra tôt tout à l'heure te bouffer le cou. T'arracher le jugulaire et te bouffer le cou. Il te mangera le derrière. N'importe quoi. Je chante vraiment de la chiasse, moi. Oh non, pauvre timide nous. Regardez-moi ce lapin qui veut en découdre avec Sonia, quoi. Regardez-le. Petit lapinou. Ah. Petit lapin. Tu vas voir. Tu vas voir ta gueule à la récré, toi. Fais gaffe, hein, parce que moi, avec tes petites mains, je vais te niquer la gueule. D'accord? T'as pas son ergoté que j'en m'en fous. Je te nique la gueule. Elle le regarde d'une façon genre, qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Ce machin-là, ça irait mieux à l'intérieur de mes escarpins, hein. Saloperie, là. Pourquoi le fils n'adopte pas un cochon d'Inde ou hamster? Ah! Pauvre tu, là, punou. Oh non. T'es méchante, Sonia. T'es mauvaise. Allez, ferme le lit, toi. On va t'offrir du divertissement, on va t'offrir un petit Roger. Qu'est-ce qu'on achète et qu'est-ce qu'on l'appelle? Ah bah! Ah bah, il est déjà dedans. Bon bah, super. Oh, ça va, il faut t'en remettre, Sonia. Il est mort depuis un moment, maintenant ton mari, hein. Je suis horrible. Jeu de rongeur. Merde, il l'a pas bouffé. Bon, pendant ce temps, la Maïs, elle fait n'importe quoi. Pff, on va courir un peu, là. Il est 6h du matin. Vous montrer au voisinage que t'as une belle hygiène de vie, que jamais tu ferais ça. Ferme le lit, toi. Bon, pff, il me saoule avec son lit, lui, hein. Ça va être long, hein. Encore très long. Ça va être son anniversaire! Rien de mieux pour que pour lui que de mourir. La 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 la. Fauché par le lit ou mordu par son ami. Oh oui, c'est beau la vie, c'est beau la mort. Tu vas rejoindre ton père et ta sœur. La 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 la. Vivement que tu sois plus là. T'es beaucoup trop moche pour continuer à vivre. Un lapin qu'un membre du foyer connaissait est mort. Mais quoi? Mais déjà? Par contre, le lapin, tu l'as vu une fois, il crève, quoi. Comme ça. Mais les Alexandre Grunnik, hein, c'est compliqué à faire mourir. Ah, oh, putain! On y est! C'est pas vrai! La notif du Vengeur faire mourir 10 de vos Sims de mort non naturelle. Je lui mets quelques... Ça fait un moment que l'autre elle est morte. Le jeu te spoil avant que ça arrive, quoi. Mais c'est merveilleux. Adieu Alexandre, tu es trop laid. Je me mets en position parce que c'est quand même... je pense que je la ferai pas deux fois celle-là, malheureusement. Ah oui, d'accord.
c'est bon ça. Et la roue tourne à tourner. Et fatalité continue de tourner. Il n'aura pas eu le temps de fêter son anniversaire. Oh non, Alexandre a été écrasé par un lit escamotable qui ne fonctionnait pas correctement. Il va manquer à beaucoup de monde. Pourquoi il y a une fête de quartier? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a les voisins qui débarquent.